What can I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, my God. All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, my God. All I have to say is thank you, Lord. Mon bébé! Mon bébé! Mon bébé! Hé! Hey! Ewo! Hé! Timo! Timo! Biano! Biano! Hé! Ewo! Qui est là? À la rescousse! Au secours! Mon bébé! À l'aide! Oh! À l'aide! À l'aide! Oboum! Tu as dit que tu as besoin de combien pour cette fois-ci? Juste 20 000. Mais je promets de vous payer la semaine prochaine. Croyez-moi, je vous paye. Attends. 20 000. Et tu dis seulement juste. Donc 20 000, c'est juste. Attendez, je vous prie. J'ai besoin de cet argent. Juste aidez-moi, je vous prie. Très bien. Commençons par la première chose d'abord. Combien me dois-tu en totalité? Dis-moi un peu, combien me dois-tu en totalité? Fais-moi comprendre. On te dit qu'on va vraiment se mettre là à calculer toutes ces choses maintenant? Avons-nous vraiment besoin de ça maintenant? Juste, s'il te plaît, donne-moi cet argent, hein? Ok, tu vois tout l'argent que je te dois depuis là. Je te promets de payer la totalité cette fois-ci. Crois-moi, je t'en prie. Écoute, premièrement, je ne peux pas te faire confiance. Et deuxièmement... Ndoudé, hein? Tu dois venir avec moi immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, quelque chose de mal est arrivé à votre bébé. Mon bébé? Oui. Mon bébé? Allons-y. Mon bébé? Dépêchons-nous. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Hey! Seulement, quand j'ai pensé que le chagrin était une affaire du passé dans ma vie, seulement quand j'ai pensé que je n'aurais plus jamais une raison de verser les larmes dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Hey! Je t'en prie. Ne commence pas maintenant, je t'en prie. Tu n'as rien fait de mal. Il faut vraiment que tu sois un homme. Abom, qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je fais de mal? Hein? Dites-moi un peu, qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je fais de mal pour mériter tout ça? Arrête. Dites-moi. Grand frère, s'il te plaît. Arrête de faire du mal à toi-même. Tu dois être très fort. Car sache que tout ce qui pourrait t'affecter va nous affecter tous. Exactement. S'il te plaît, sois fort. Tu dois être encore plus fort, spécialement pour ta magnifique femme là. Obim,
Ta nourriture est servie. Va-t'en d'ici. Chérie, s'il te plaît, viens manger. C'est depuis le matin que tu n'as pas mangé. Va-t'en d'ici. Je dis va-t'en. Va-t'en d'ici. Va-t'en. Sorcière. Va-t'en. Allez, va-t'en. Je veux pas te voir. N'importe quoi. Hey. Chérie, et s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un peu d'argent? Je vais rajouter la provision. Tu as dit quoi? Tu as besoin d'argent pour aller au marché pour acheter des trucs à manger. Attends, qu'est-ce que tu veux réellement de moi? Tu veux me causer plus de douleur? Hein? Mais chérie, comment je peux te causer de peine juste en te demandant de l'argent pour aller acheter des vivres? Mais oui, comment vas-tu comprendre? Alors que tu as déjà pris ta décision de me faire mourir dans la misère. Comment comprendre? Regarde-toi, tu penses encore à la nourriture au lieu de penser à comment aller dans l'au-delà pour me ramener mon fils. Tu as parlé de la nourriture et tu veux que je te donne de l'argent pour acheter la nourriture que tu vas manger. Évite-moi. Je dis évite, évite-moi. Ça m'étonne que tu me dises ça. Je le dis et je le dirai encore. Que feras-tu? Que feras-tu? Tu me frapperas? Tu vas me gifler? Mais non, tu ne peux pas. Parce que moi là, je peux prendre cette machette et te frapper avec. Et tu ne me feras rien du tout. Je peux t'enterrer. Évite-moi. Je dis évite-moi. Sorcière. Allez, chérie, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi d'abord. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin de reprendre mon mari. Hein? J'ai besoin de l'homme dont je suis tombée amoureuse. Je ne sais vivre sans lui. J'ai besoin de mon mari. Obim, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Regarde-moi. Tu ne prends plus soin de notre relation. Qu'est-ce que tu as dit là? M'occuper de toi. Je t'ai entendu parler de nous. Nous, c'est moi. Toi et notre fils. Alors, où est notre fils? Où est notre fils? Pourquoi je m'occuperai d'une femme qui a tué mon seul fils? Hein? Pourquoi devrais-je? Mon seul espoir d'être appelé père. La seule raison pour laquelle je serai appelé père. Un fils qui m'a donné beaucoup de joie et de bonheur. Le futur était déjà bien planifié pour lui. Et tu as écouté sa vie. Et tu me parles de nous. Qui est nous? Est-ce que le nous est complet? C'était une erreur. Il était tombé. Oh, il est tombé. C'était une erreur. C'est ce que tu vas raconter partout aux gens. Ce qui veut dire que tu n'as même pas réalisé que c'est toi qui l'as tué. Tu l'as tué. Je ne peux pas tuer mon propre fils. Je ne peux le faire, voyons. Je dis que tu as tué Janet. Tu l'as tué. Janet, tu l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Je maudis le jour où tu es venu dans ma vie. Je maudis ces jours. Et je maudirai toujours ces jours. Tu es une malédiction pour moi. Évite-moi. Je te demande au nom de Dieu. Évite-moi. Je ne vais rien faire que je vais regretter un jour. This is mysterious. Unbelievable. Ma chère, je ne saurais te mentir, j'en ai marre. Sincèrement, je suis fatiguée. Je ne sais plus quoi faire. J'essaie de lui expliquer que ce n'était pas de ma faute et que c'était un accident. Il ne me comprend pas. Mon ami, c'est très dur d'entendre que vraiment tout ceci peut venir de lui. Et oui, c'est pas du tout facile.
Au fait, c'est juste inconcevable. Je suis en train de me demander, est-ce possible que tu te réveilles un bon matin et juste tuer ton enfant comme ça? Oh, puisque sincèrement, je n'en reviens pas. Je ne sais pas ce qui arrive à mon mari. Oh. J'ai vu dans l'amertume tous ces jours-ci. Et juste parce que je commence à me sentir culpabilisée tellement par rapport à la chose. Tellement culpabilisée. Culpabilisée pourquoi? Culpabilisée pourquoi? Tu n'as pas tué ton enfant. C'est un accident. C'est une erreur. Et tu sais, j'aurais souhaité qu'il me comprenne comme toi. Sincèrement. Amaka, je suis très fatiguée. Je ne sais plus quoi faire. Tous les jours, il ne me donne que des accusations, accusations sur accusations. J'ai perdu mon bébé, mais je ne sais comment le pleurer puisque je dois faire face aux accusations de mon mari. Est-ce que c'est juste? En tout cas, ma chérie, en ce qui me concerne, je te dirais de faire très très attention. Tu dois être prudente avec lui. Hein, franchement, je ne veux même plus lui adresser parole. Je ne le ferai pas. Non, t'en fais pas avec lui. Non, en fait, il en fait trop. Je sais quoi faire. T'inquiète. Chérie, bonjour. Oh, bim. Grand frère Ndoudi, tu dois essayer de te calmer avec ta femme. Comment puis-je me calmer face à la femme qui était responsable de la mort de mon seul fils, mon seul enfant? Qu'est-ce qu'elle faisait même? Laver les habits là-bas dehors, au détriment du bébé, dans la chambre. Il est tombé du lit. Il est mort. Quelle imprudence! Mais de quoi parlons-nous ici? Je peux très bien comprendre comment tu te sens, frère Ndoudi. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que ce n'est pas de sa faute. Elle ne savait pas que le bébé se réveillerait pendant qu'elle serait en train de laver les habits là dehors. C'est un accident. Oui. Ça peut arriver à n'importe qui. Bien. J'apprécie comment tu le dis. Un accident qui peut arriver à n'importe qui. Mais pour que cela ne t'arrive pas, à toi, quand tu seras marié avec ta femme. Non, que ça n'arrive pas. Oui, que ça n'arrive pas. Mon frère, je ne te blâme pas du tout. Tu es encore un jeune homme qui grandit. Alors, est-ce un problème? Mais regarde-moi. Est-ce que je rajeunis? La barbe est blanche partout ici. C'est toi le plus proche de moi. Tu sais très bien tout ce qui me concerne. Combien j'ai eu à prier dans toutes les églises, priant à Dieu de me donner un enfant. Et j'ai vu cet enfant arriver, ce petit garçon. Seulement après peu de temps, je l'ai perdu. À cause de la négligence de sa maman, j'ai perdu mon enfant, la femme dont tu parles ici. Je hais cette femme. Ça fait déjà plusieurs jours que je ne veux plus voir son visage. Je ne veux plus du tout voir son visage. Grand frère, je t'en prie. Peux-tu, s'il te plaît, mettre la haine en dehors de toute cette discussion? Je t'en prie, tu vas vraiment beaucoup loin avec ça. Cette femme reste toujours ta femme, peu importe ce qui arrive. Je t'en prie. Tu ne vas rien comprendre. Est-ce qu'on peut juste changer de sujet? Parlons de quelque chose d'autre. Ce problème est à moi. Et je ne veux pas en parler. S'il te plaît, changeons de sujet. Et soyons joyeux et heureux.
vivant. Obim, ma famille était venue ici quand tu étais absent. Ils étaient venus compatir avec nous. Amène-moi à manger. Ici? Apporte-moi à manger. C'est comme je disais avant, mon oncle paternel qui habite à Lagos était venu. Tu es en train de me déranger. Je n'ai pas besoin de bruit, s'il te plaît. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu me traites comme si j'étais un démon? Moi aussi, je suis blessé comme toi. Nous avons tous les deux perdu notre fils. Tu n'es pas le seul à faire le deuil. Nous sommes en train de faire le deuil tous les deux. Finissons-en et passons à côté. Tu me parlais comme ça. Oui, j'en ai marre. J'en ai marre de tout ceci. Je suis fatiguée. Tu sais que je serais prête à donner ma vie pour sauver notre fils. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Pourquoi tu n'es pas mort à sa place alors? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Va-t'en d'ici. Va-t'en avec d'ici. Va-t'en d'ici. Va-t'en. Va-t'en avec que je te fasse n'importe quoi. J'aurais bien voulu donner ma vie pour mon fils, hein? Pourquoi tu es encore vivante? Tu devais mourir pour qu'il vive. Sorcière. Qu'est-ce qui te fait croire que ce serait une bonne idée? Oluchi, nous en avons déjà parlé, non? C'est juste pour un temps. Oh, mais tu sais que je suis encore à l'école. Je sais. C'est comme je l'ai dit avant, ça ne sera pas pour tout le temps. Et on sait que je sache, l'année est déjà en train de s'achever. Il ne reste juste qu'à moi. Oui. Je ne demande que pour un mois. Ça ne prendra qu'un mois, Biko. Ma grande sœur a vraiment besoin de toi. Au mal, tiens-moi, Biko. D'accord. Merci, c'est très gentil de ta part. Okay. Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un ici? Je suis là-haut, j'arrive. Ah, c'est toi. Ah, quelle surprise. Oui, c'est bien moi. Oh, bonjour. Comment est-ce que tu vas maintenant? Pas mal, ça va, on est là. Ma chère, Dieu est ta force, ok? Amen, ok. Et comment va ton mari? Oh, il est encore au shop. Il était allé au shop? Oui. Bien, dans ce cas... Oh, c'est un peu trop. Aide-moi à lui donner cet argent. Dis-lui que ça vient de moi, son emprunteur. D'accord, je le lui passerai. Bien, ah, okay. Je vais y aller maintenant. Ah, d'accord. Mmh. Surtout, n'oublie pas. Ah, ok. Et porte-toi bien. D'accord. Très bien. Merci. Bonne Bye. Journée à toi. Bye. Bonne journée à toi aussi. Jen, où es-tu? Oui. Hein? Où es-tu? Je suis là. Quelle affaire as-tu avec Aboum? Pourquoi ce n'est pas moi qui l'a remis mon argent? Il t'a donné mon argent. Pourquoi? Excuse-moi. Qu'est-ce que t'excuses? Je t'ai posé une question, alors réponds-moi. Quelle affaire as-tu avec Aboum? Pourquoi est-ce que... Il connaît très bien mon shop. Pourquoi il n'est pas venu là-bas dans mon shop? Est-ce un problème s'il m'a donné ton argent? Je ne sais pas pourquoi tu cries. Toi, bien sûr que tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Mais tu sais de quoi je parle. Est-ce que tu couches avec lui? Réponds-moi. Est-ce que tu couches avec lui? Comment aussi? Hey. Comment oses-tu dire une telle chose? Tu as osé lever la main sur moi. Dieu merci, tu es ma femme. Sinon, tu aurais vu le pire Allez, en moi. Allez, arrête. Ne mentionne pas que je suis ta femme que tu ne peux rien faire. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai fini avec ces mariages. Marre avec quoi?
Je le savais. Je le savais, grand frère. Je savais que ça en arriverait là. Écoute, je veux te dire, grand frère, c'est mieux pour toi d'aller ramener cette femme ici parce qu'elle ne t'a rien fait de mal. Elle a tué cet enfant. Arrête ça, grand frère. Je ne m'attendais pas à son départ du tout. Mais elle est un peu bizarre dans la tête. Tu peux imaginer ça, elle préparait. Et subitement, elle a laissé la cuisine, elle a pris son sac et puis elle est partie. Pourquoi? Pourquoi? Oh, grand frère, dis-moi, pourquoi ne partirait-elle pas? Dis-moi pourquoi? Sache que c'est cette même femme que tu as tellement torturée. Tu lui as tellement donné des troubles émotionnels. Tu as abusé d'elle et l'as humiliée en même temps. Tu as fait de sa vie un enfer sur terre, ça fait des semaines maintenant. Dis-moi, pourquoi ne partirait-elle pas? C'est d'ailleurs mieux qu'elle soit partie afin qu'elle puisse préserver sa santé mentale des personnes dans ton genre. Je suis désolé. Je sais que j'ai exagéré. J'ai tout gâché. Alors comment pallier à cette situation? Mais je... Même si je l'ai détesté, je l'aime encore. Je ne voulais pas qu'elle parte. Alors pardonnez-moi. Alors comment remédier à cette situation? Où est-ce que tu vas comme ça? C'est moi qui devais te le demander. Où est-ce que tu vas avec ton sac? J'en ai fini avec ces mariages. Non, je n'en peux plus. Je rentre chez nous. Je rentre chez mes parents. Je n'en veux plus. Grande sœur, s'il te plaît, est-ce qu'on peut rentrer? Non. S'il te plaît, est-ce que nous pouvons rentrer? Non. C'est quoi ce que tu fais? Amaka, j'en ai marre de cet homme. Je ne saurais plus cohabiter avec lui. Pardon. Non, je risque de me perdre. Non. Et s'il te plaît. D'où t'es venue cette idée? Je pensais comment t'as prêté une main forte, particulièrement en ces temps difficiles par lesquels tu passes. Je t'ai amené ma fille. Mais souvent aussi, je n'ai pas grand-chose à faire comme des tâches ménagères. Elle va commencer à te tenir compagnie. Tu viens de perdre ton enfant avec qui tu avais l'habitude de parler à tout moment quand ton mari n'était pas là. Donc, tu as besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés. Et je te comprends parfaitement. Dans ce cas, elle doit rester avec toi. D'ailleurs, elle est une bonne narratrice. Genre, rassure-toi que tu ne seras pas ennuyée, même pas une heure. Ma fille, bienvenue chez moi. Merci, maman. Merci d'accepter de rester avec nous. Non, il n'y a pas de problème, je suis très heureuse. Va déposer ton sac à la maison dans ce cas. Sois à l'aise, hein, c'est ta maison. Ah, vraiment, je suis surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Okay. Je suis très contente. Ah, à moi, car vraiment, je suis très contente que Dieu te bénisse pour moi. Mais tu sais, quand je suis partie, je l'ai laissé ici. Est-ce qu'il sera content de me revoir encore dans cette maison? Écoute, aussi longtemps que c'est moi qui t'ai ramené dans cette maison, je ne crois pas qu'il te fera grand-chose. Il va d'ailleurs être content, t'en fais pas. Ça ira. Je perds, oh. Je perds de sa réaction. Il ne fera rien, fais-moi confiance. Crois-moi, il ne fera rien. La vérité est que cette idée de sortir de la maison de toi-même n'était pas du tout intéressante. Tu n'aurais pas dû sortir tant que lui ne t'a rien dit. Et je sais... Non, je peux le refaire. Je sais que j'ai mal agi. Je sais. Enfin, prends bien soin de toi-même et de Orochi. Je ne veux pas qu'elle regrette pour avoir accepté de venir cohabiter avec toi. Alors, je dois me dépêcher avant que mon mari n'arrive. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, embrasse-moi. Ok, merci de penser à moi. Hein. Que Dieu te bénisse. Merci. Bye. Bye. It's heartbreaking. It's just hard to believe that I've lost my precious one. Tu continues de puiser de l'eau? Hey, tu en as déjà fait de trop, hein? Va te reposer. T'inquiète, je dois encore faire un tour. C'est bon, ça suffit. J'aimerais bien remplir ces tonneaux.
J'insiste, va te reposer. Non, je dois encore faire un tour. Non, arrête-toi là. Ok, dans ce cas, je dois aller finir avec les bois de chauffage qui étaient restés derrière la maison. Non, tu peux le laisser. Va à la maison. Je t'apporte ta nourriture, ok? D'accord, maman. Ok. Une fille travailleuse. Tu es très forte. Bravo. Salut, papa. Comment vas-tu? Oui, ça va. Je connais ce visage. Tu es cousine de ma femme, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors, tu fais quoi ici? Monsieur, je... Tu es de retour. Bienvenue. T'inquiète, continue avec ce que tu faisais. Désolée chérie de te quitter de la manière dont je le fais. Je suis désolée, j'étais au fait frustrée par tes propos. Je sais que je t'ai poussée, mais c'est bon. C'est bien que tu sois revenue comme ça. Ok. Merci. Robim, ma cousine était venue avec moi. Okay. Elle est en vacances. Elle veut passer ses vacances avec nous ici. Je crois que ça ne va pas te déranger. Non, pas de problème. Aussi longtemps qu'elle n'est pas ce genre d'enfant qui aime trop jouer et qui sont paresseux. Elle est plutôt travailleuse. Ok. Et c'est juste pour qu'elle nous tienne compagnie. Oui, très bien. Il n'y a pas de problème. Avec Dust. Hey. Je suis désolée pour ce qui est arrivé à notre bébé. Mais je crois qu'on peut encore faire un. Vraiment? Oui, je le crois. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Je le crois moi aussi. Avec Dieu, tout est possible. Possible? Moi aussi, je le crois. Je le crois moi aussi. Hé, hey. Merci. Je viens de réaliser combien tu es importante dans ma vie. Hé, hey. Tu sais, je n'ai pas mangé depuis haut. Ah bon? Alors va terminer avec la nourriture que tu préparais. Et nous allons manger. Tu n'as donc pas préparé quand j'étais partie? Mais comment? J'étais confus et désespéré. C'est maintenant que j'ai réalisé combien tu es importante dans ma vie et que je ne peux rien faire sans toi. Ok. Ok, laisse-moi D'accord, aller chérie. Finir alors. Merci, merci chérie. D'accord. Bienvenue à toi. Bienvenue. Hey, moi... Bienvenue. Jeune fille. Bonjour, monsieur. Comment tu t'appelles encore? Oluchi. Oluchi. Est-ce que tu as vu mes autres babouches? Oui, oui, c'est déjà fait. Oui. C'est un beau jour. Merci. S'il te plaît, aide-moi. Garde celle-ci de l'autre côté. Ok. Désolée, monsieur. Pourquoi tu t'excuses comme ça? Tu es une bonne fille. Je vais au travail, okay. D'accord? Veille sur la maison, d'accord? This is mysterious. Unbelievable. Tantine, je suis là, j'ai acheté plein de trucs. Tantine, pourquoi tu pleures? Seigneur, je crois qu'il n'y a pas de problème, Tantine. Dis-moi non, pourquoi tu pleures? Arrête ça, s'il te plaît, pourquoi tu pleures? Il me manque beaucoup. Il allait totaliser 3 mois aujourd'hui. Si seulement la nature ne pouvait pas l'éloigner de moi. Oh, je vois, tu parles de ton bébé. Je suis désolée. Que Dieu te console. Hein. Oui,
J'avais appris que tu avais perdu un bébé. Je peux imaginer ta douleur maintenant. Essaie juste d'être forte, hein. J'ai constaté que ton mari est loin de toi dans cette situation. Il est dans la douleur lui aussi. Chai, je suis désolée. Ah, tu as aimé la nourriture? Ah, bien sûr que oui. Oh, merci, hein. La nourriture est bonne. Ah. Elle est une très bonne fille, en tout cas. Oui. Tu as dit qu'elle est cousine à ta femme? Elle travaille très dur et respectueuse. Oh, bien sûr, je peux le voir par moi-même. Pas la peine qu'on me le dise. Dieu bénisse les mains qui l'ont élevée, en tout cas. Bien, j'ai appris que ses parents sont morts. Morts? Oui. Oh, c'est vraiment tragique pour une toute petite fille comme elle. Malheureusement. Tu dois faire de ton mieux et prendre bien soin d'elle, ok? Bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi ne l'adopterais-tu pas comme ta propre fille? Tu sais, elle a des traits de ressemblance avec toi. Vraiment? Je te jure. Bien sûr, grand frère. Bien. Très bien. Est-ce que tu as fini avec les uniformes que je t'avais demandé de faire là? Oh, oui, les uniformes. C'est d'ailleurs ce pourquoi je suis ici. Tu sais, j'étais allé dans ton shop et puis j'ai vu tes garçons. Mais ils ont dit que tu ne reviendrais pas si tôt. Alors j'ai mis les matériels dans la voiture et puis je me suis dit que je vienne avec tu ici. Tu sais que les écoles reprennent bientôt, alors c'est pourquoi je vais déjà les vendre. Mais fais un peu d'argent. Est-ce que tu as fini avec la coupe? Pas tout. Mais pourquoi tu n'as pas tout fini déjà? Hein? Que veux-tu que je fasse? Il faut déjà que je commence la couture. Tu viens encore ici à la maison avec moi. Je risque de te renvoyer pour aller finir le travail. Non, ne sois pas. Va tout finir. Ne sois pas offensé, frère Ndodi. Tu sais, avec cette histoire de nourriture, on est presque mieux partout. Oui. À la nourriture. je me suis vraiment bien régalé. Hein. Alors, va vite là-bas à l'atelier. Va finir le travail que je t'avais donné. Fais-moi confiance. Vas-y. Je vais immédiatement. Très bien. T'en fais pas. Ne perds pas le temps. Oh. Je me fous de tout ce que tu veux me dire là. Je suis fatigué de toi. Je suis fatigué de ce mariage. Hein? Tu veux me dire quoi là? Tu veux dire quoi? C'est à moi que tu dis tu ainsi. Tu me donnes des frustrations. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pas après ce que tu as fait. Pas après ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Écoute, je me fous de ce que tu veux me dire là. Je suis fatigué. J'en ai marre. J'en ai marre. Tu es une femme inutile. Jeannette, tu es vraiment stupide. Ok. Hein? Je suis stupide. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est toi qui es inutile. Qu'est-ce que moi je te fais? Qu'est-ce que je te fais? Chérie, ça fait beaucoup de jours que tu ne me touches pas. Même la nuit. Suis-je devenue trop vieille ou encore manche pour toi? Même quand j'ai mes déshabits, on dirait que ça ne t'intéresse même plus. Et quelle est mon enfance? Et ça veut dire que je ne produis pas assez de fluide pour t'attirer. Et qu'est-ce que je fais de mal? S'il te plaît, dis-moi où je suis mal partie. D'où vient ce que tu racontes là? Tu dois arrêter de me faire ça, oh. Hein? C'est de la méchanceté. Dis-moi alors, comment allons-nous avoir un autre enfant si on ne fait pas l'amour? Hein? Comment? Ok. Laisse-moi te poser une question. Te rappelles-tu de la dernière fois où nous avons fait l'amour? Ou bien la dernière fois où nous sommes assis comme mari et femme, avant même ta grossesse, te rappelles-tu? Le docteur a dit que j'ai encore plus de chance et encore de l'espoir. Le docteur a dit? Hein? Le docteur a dit? Janet, je t'en supplie, s'il te plaît, je ne veux pas du sexe de toi.
Je n'en ai pas besoin. Tout ce que je veux, c'est rester seul. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je te supplie au nom de Dieu. Emballe tes histoires et garde-les là-bas. Moi, je n'en veux pas. Ndoudi, tu ne peux pas me faire ça. Et ce n'est pas juste. Ndoudi, je veux... Seigneur, et quand est-ce qu'ils vont arrêter de se tirailler pour vivre comme un couple? Pourquoi c'est si difficile pour eux de faire la paix, pour renouer enfin leur lien d'amour? Il n'y a rien qui montre qu'ils sont mari et femme. J'aurais souhaité faire quelque chose pour arrêter ça. Vraiment, je dois l'arrêter. Tu m'as appelé? Oui, je t'ai appelé. S'il te plaît, achète-moi du tabac. Quand tu traverses la route, la boutique est là. Achète pour 200 naira. Et du tabac? Pour fumer? Le tabac, oui. As-tu un problème avec ça? Non, c'est seulement je n'ai pas encore vu les gens de ton âge le prendre. Les gens de mon âge le prendre. Tu veux dire que je suis encore un jeune homme? Je suis vieux. À part ça, j'ai appris ça de mon défunt père. Il avait l'habitude de le prendre quand il était un peu stressé. Peut-être émotionnellement, psychologiquement ou même physiquement. Il le prenait pour essayer de se stabiliser un peu. Ok, donc tu es stressé, c'est pourquoi tu veux le prendre? Honnêtement, je suis stressé. Et d'abord, cherche-moi ce que je t'ai demandé. Nous en parlerons une autre fois. Ok. Vas-y. Ah, Jane. Comment tu vas? Je vais bien, oh. Moi, Nyoma, la plus belle femme que je connaisse. S'il te plaît. Hein? Écoute, je suis vraiment content de savoir que tu reviens à la maison. Comment est-ce que tu vas, dis-moi? Il ne me rend pas toujours la tâche facile. Je ne me rappelle même pas de la dernière fois où il m'a touchée. Touchée? Ne me dis pas que tu t'attends à ce qu'il puisse te toucher. Pourquoi? Pourquoi, sérieux? Je veux dire, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il est mon mari. Un mari qui ne peut même pas te rendre enceinte. Chut. Tu oublies que nous sommes en public? Arrête de dire ça. Écoute, je me fous complètement de l'endroit où on se trouve parce que je ne vois que toi et moi ici. Écoute, je n'aime pas du tout la façon dont il te traite. Ça me fait plus mal que tu n'imagines. L'enfant qui est mort n'est même pas de lui d'ailleurs. Ah! Tu veux me créer des problèmes? Il n'est pas au courant de cela. Et personne ne le sait. S'il te plaît.
Tu dois arrêter d'en parler, oh. Il risque de le découvrir, s'il te plaît. Laisse-moi me dépêcher avant que mon mari n'arrive. J'étais en train de lire Apocalypse chapitre 21, verset 4. La Bible dit: Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et je m'en vais encore lire le psaume 46, du premier au deuxième verset, qui dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Oncle, tantine, Dieu est en train de vous dire qu'il est au courant de toutes vos situations. Il sait ce que vous avez perdu et comment ceci était très précieux pour vous. Et cependant, il vous rassure qu'il ne vous a pas oublié ni abandonné. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de rester accroché à lui. Lui seul peut changer votre situation. Lui seul peut mettre fin à votre misère et souffrance. Sachez que ce que vous avez besoin à faire maintenant, c'est de vous pardonner et de vous tenir la main pour faire face à ces problèmes. Je suis désolée. Non, ça va. Je suis désolée. Merci. Mon mari est allé à son shop. Et tu sais qu'à cette heure, il n'est pas à la maison. Donc tu peux aller le voir au shop. Je sais. Mais je suis venu te voir, toi. Mais voir? Pourquoi? Voyons-moi celle qui prétend ne pas savoir c'est pourquoi je suis là. Pourtant, tu le sais. N'as-tu pas besoin de mon aide? Je ne te comprends pas. Jane, nous venons juste de perdre notre enfant. Et je pense qu'il est grand temps de faire un remplacement. Costa, écoute. Peu importe ce qu'on a fait dans le passé. Reste dans le passé. Je suis une nouvelle personne maintenant. Je t'en prie, je ne mène plus une telle vie. Oh, vraiment? Est-ce que les gens changent en peu de temps? Waouh! Bien, dis-moi, ne veux-tu plus d'enfants? Évidemment. Alors qui va te donner maintenant? Ton mari? Bien sûr, tu sais qu'il ne peut pas. Écoute-moi très bien. Laisse-moi t'aider à faire de lui un homme heureux. Après tout, nous sommes frères. Est-ce que tu t'entends parler? Ce n'est pas le fait que tu sois son frère qui te donne le droit de coucher avec moi pour dire qu'il est ton frère. S'il te plaît, pars d'ici. Pars avant que ma cousine... Est-ce que tu es normale? Va-t'en, pars. Jane, es-tu en train de refuser mon aide? Oui. Je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu a repris cet enfant. Je ne le ferai plus. Ok, je vais partir. C'est le mieux que tu puisses faire, s'il te plaît. Mais dans ce cas, je pense qu'il est grand temps que je dise à mon grand frère ce qui s'est passé entre nous deux. Excuse-moi. Oh! Ma chérie, s'il te plaît, je te prie, ne dis pas à mon mari ce que tu as vu ou entendu. S'il te plaît. Tantine, tu sais que je ne peux pas faire un tel truc. Promets-le-moi,
Tantine, je ne peux pas le lui dire puisque ce n'est pas à moi de le dire. Si l'ami est placé à lui dire cette vérité, je ne souris pas. Tu sauras, Tantine. Mon mariage sera brisé si j'ose le faire. Je ne crois pas si seulement tu te remets entre les mains de Dieu avant de le lui dire. Écoute, Dieu peut toucher son cœur afin qu'il ne réagisse pas comme tu t'attendais. Ça, c'est le diable qui essaie de te décourager pour faire la volonté de Dieu. Tantine, s'il te plaît, essaie de penser à ce que je t'ai dit. Elle veut sauter premier pour le lui dire à mon mari. C'est pourquoi toi, tu dois le lui dire bien avant, avant qu'il ne la prenne ailleurs. Hé, mon Dieu. T'inquiète, ça va aller. T'inquiète. Hé, hey, oh mon Dieu. Je suis oh mon désolée, Dieu, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Donc, tu m'es trompé, c'est ça? Tu m'es trompé avec mon propre frère aussi tard. Hein? Mais voici hey. Hé, je suis désolée. Hé, hey. S'il te plaît, calme-toi, reviens. Ne tue pas quelqu'un, oh. Je suis finie, oh. Je suis finie, mon Dieu. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Chérie, reviens. Reviens, s'il te plaît. Chérie, dépêche-toi. Preste pas. Fais vite. On doit en finir avant qu'il ne vienne. Hein? Oh, mais pourquoi tu es en train de mépriser, même sans son consentement? Peut-être je connais mon mari et je sais que je l'ai déjà perdu. Aucun homme ne voudra continuer de cohabiter avec sa femme après qu'elle ait trompé. Et Tantine, pourquoi on n'attend pas à ce qu'il revienne? Je pourrais parler à ta place. Chérie, tu parles un peu beaucoup. Tu as toujours à dire. J'admire ta sagesse. Mais tu es encore un enfant. Il ne va pas t'écouter. Je ne crois pas. Il ne va pas t'écouter. Une autre chose. Tu as beaucoup fait pour moi jusqu'ici. Et j'en suis très reconnaissante. J'ai vécu dans cette vie d'infidélité déjà, ça fait beaucoup de temps depuis que j'ai commencé. Ça a commencé à me ronger. Mais je suis heureuse de savoir que Dieu m'a délivrée. Merci beaucoup. Imagine que je n'avais pas dit ça à mon mari jusque maintenant. Je ne serai pas du tout en paix. Ça allait être terrible. Et ce qui me réjouit le plus est que je quitte cette maison mais tout en étant libérée dans mon cœur. Ça m'arrange. Ça joue vraiment la paix. Merci énormément. Que Dieu te bénisse. Merci d'être venu dans ma vie pour me permettre de reprendre tout à nouveau. Je ne l'oublierai jamais. Jamais alors. Merci. Je ne sais comment te remercier. Que Dieu te bénisse. D'accord, merci. Je l'ai livré à la police. Je l'ai livré à la police. Et je me rassure qu'il ne voit plus la lumière du jour. Je m'occuperai de lui dans cette ville. Et je vais lui montrer qu'il m'a touché. Je m'occuperai de lui. C'est quoi ça? Pourquoi les sacs? Où vas-tu? Je devais t'épargner du stress de me chasser de chez toi. J'ai dit que j'allais te chasser. Et je savais que mon mariage serait brisé dès le moment où j'ai accepté à Ossita de coucher. Tantine, avec... s'il vous plaît, je crois qu'à ce point, vous avez besoin de continuer cette conversation à la maison. S'il vous plaît. Très bien, pas de problème. Retournons à la maison. Donne-moi ces sacs-là. Venez, suivez-moi. J'étais choquée quand le docteur m'a dit que tu étais impuissant. Alors je l'ai supplié de ne pas te le dire.
pour éviter que tu sois choquée. La seule erreur que j'avais faite, c'était de le dire à Osita. C'est là qu'il m'a convaincue que ça allait être bien pour moi de faire un enfant avec lui. Et je savais que tu allais être content d'avoir un bébé. C'est pourquoi je me suis laissée dans son plan. Et j'ai tellement honte de moi-même. Et je ne te mérite pas. Et je ne sais comment présenter mes excuses. Je ne te mérite pas. J'étais au courant de ma condition. Le médecin m'avait dit. Il aurait pu me le cacher. Parce que c'était contre leur éthique. J'étais vraiment frustré. J'étais vraiment triste. J'avais très mal. Et je pleurais presque chaque nuit. En fait, je voulais mettre fin à tout ça. Le fardeau était vraiment très lourd. Pas jusqu'à ce que tu viennes avec la bonne nouvelle. Que tu es enceinte. J'étais vraiment excité. J'étais très heureux. Je dis bien, c'est peut-être la manière de Dieu de faire de moi finalement un père. Alors j'ai couru vers mon médecin pour l'informer de la bonne nouvelle. C'était un moment triste. Le médecin m'a informé que c'était impossible pour moi d'être père. C'était impossible pour moi d'engrosser une femme. Mais alors, qui pouvait être le père de mon fils? Il me ressemble vraiment beaucoup. Ses yeux, il y avait beaucoup de points de ressemblance. Au fait, il n'y avait pas moyen de remettre en question la paternité de cet enfant. Si tu n'étais pas venu pour me le confesser, je n'aurais jamais cru que mon frère pouvait vraiment me faire une telle chose. Désolée, chérie. Oncle, je sais que ce qu'elle a fait est injuste et n'est pas du tout pardonnable. Mais à cause de l'amour de notre Seigneur Jésus, qui pardonne nos péchés à tout moment, peu importe le nombre de fois où nous le faisons, et s'il te plaît, je te prie pardon, pardonne-la. Elle te l'a confessé. Ce qui veut dire qu'elle a reconnu sa trahison. Elle était prête à payer le prix de ses péchés en sortant d'ici. Je suis heureuse de voir comment tu l'as reprise, puisque les femmes comme elle de notre société sont devenues très rares. S'il te plaît. Est-ce que tu sais ce que j'aime vraiment chez toi? C'est que tu es remplie de sagesse. À un aussi jeune âge comme ça, tu as beaucoup de sagesse. Tu parviens à donner des pistes de solutions dans une situation aussi compliquée. Et tu gères ça comme si ce n'était rien du tout. Je n'arrête pas de me demander qui est cette personne qui peut venir devant moi et ma femme et commencer à nous parler comme ça. Mais avec toi, c'est comme si ce n'est vraiment rien du tout. S'il te plaît, je peux te rassurer. Je vais récompenser ta sagesse. Continue comme ça. Le futur est brillant pour toi. Amen. Si seulement tu peux rester ce que tu es. Mais c'est bon. Je te pardonne. Merci. Tu as fait quelque chose. Mais je ne m'attendais pas qu'une femme le fasse aussi facilement. Mais toi, tu l'as quand même fait. Tu comprends mes douleurs, tu comprends mes difficultés, tu comprends l'agonie que je vis. Tu es allé en dehors du chemin, mais pour te battre pour ça. Sans tenir compte de comment. Cela allait au détriment de ta propre personne. Tu es allé jusqu'à m'amener un fils dans ma maison, juste pour te rassurer que je suis heureux. Qui et qui l'aurait fait? Ça, c'est le vrai amour. Quand on parle d'amour, c'est ça l'amour en pratique. Ça, c'est mon homme. Il se sent mal parce qu'il n'a pas d'enfant. Et j'aimerais aller un peu dehors pour lui ramener un fils à la maison afin que mon mari soit quand même heureux à la fin.
Si pas pour autre chose, je t'aime seulement pour ce seul axe que tu as posé. Merci. Alors, qu'on ait un enfant ou pas d'enfant, s'il te plaît, aime-moi, Biko. Merci, chérie. Merci. Je t'aime. Oncle, tu ne peux pas dire que vous n'avez pas d'enfant pendant que moi je suis là, non? Vraiment. Hein? Je vous promets d'être l'enfant qui va vous aimer et vous respecter comme mes parents. Merci. Mais tu sais, tu grandis encore. Un jour, tu vas grandir. Tu vas te marier et tu auras ta propre maison. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? N'est-ce pas mieux que nous prions pour que Dieu enfin nous donne notre propre enfant? Je sais bien que, comme tu as dit, rien n'était possible avec Dieu. Oui. Alors, moi, je crois que Dieu va nous donner aussi notre enfant. Ça va arriver. Amen. Merci. Amen. Merci Amen. D'avoir accepté d'être notre enfant. Merci. Merci. This is